m'appelle Anthony, j'ai 28 ans et je travaille dans le secteur bancaire. J'ai découvert investissement-locatif.com par une connaissance en commun qui était notaire et qui m'a recommandé l'entreprise quand je lui ai exposé mon projet d'investissement à Paris. Je suis allé sur le site internet pour me renseigner un peu plus. J'ai vu un peu tous les projets qu'ils avaient déjà mis en place, donc ça m'a plu. Et puis j'avais entendu dire que d'autres projets s'étaient bien passés. Donc voilà, ça m'a mis en confiance. Le premier rendez-vous que j'ai eu avec la société s'est passé dans leurs locaux dans le Marais. J'ai été reçu par les deux associés. On a pu discuter un peu de ce que je voulais dans mon projet immobilier. Moi personnellement, j'avais pas de temps à y consacrer. Et voilà, on a pu parler rentabilité, on a pu parler choix dans à la fois la surface qu'on allait acheter, les parties de Paris dans lesquelles je voulais investir. Voilà, je me suis rendu compte qu'en étant en mission à l'autre bout du monde, j'allais pouvoir faire un investissement immobilier sans avoir de soucis, sans avoir à m'en occuper. J'ai commencé par signer un contrat d'investissement pour lancer les recherches officiellement de l'appartement. Là, au bout de 2-3 semaines, on m'a fait une première offre. On était sur un appartement au pied des buts de Chaumont, entièrement à refaire, mais sur lequel il y avait beaucoup de monde, vu que c'était une très bonne affaire, avec un prix au mètre carré très bas. Ça a été un peu rocambolesque comme histoire. Il a fallu vite se décider, vite se positionner. Finalement, les choses se sont faites très vite. Investissement-locatif.com a été assez punchy pour obtenir l'appartement. Et finalement, ça s'est bien terminé, vu que l'offre a été acceptée par le propriétaire. On était du coup sur un appartement de 40 mètres carrés. Qui était à 5200 euros du mètre carré à peu près. On est au pied des buts de Chaumont, c'était un quartier que je ne connaissais pas du tout et finalement j'ai été agréablement surpris. Un quartier commerçant avec à la fois familial et étudiant, donc j'étais très content. Un appartement très lumineux avec du beau potentiel. On a décidé de diviser en deux, faire un appartement d'environ 15 mètres carrés d'un côté et un deux pièces de 25 mètres carrés environ, avec toujours beaucoup de lumière, très bien agencé. Finalement, le avant-après est assez hallucinant. Après l'achat, les travaux ont démarré tout de suite, à peine une semaine après, donc ça a été très rapide. Moi, au même moment, je suis parti à Madagascar pour une mission de 3 mois, donc j'ai eu ni le temps, ni la possibilité d'être présent. Et tout s'est déroulé exactement comme on l'avait prévu. Les travaux ont été faits dans les temps, exactement comme on avait prévu sur les plans. J'étais à l'autre bout du monde, j'avais juste quelques coups de fil à passer pour me rendre compte que tout était géré à distance, et ça c'était bien quoi. Avoir l'esprit libre, savoir que le projet avance, qu'on n'a rien besoin de faire, c'était vraiment un luxe. Les travaux se sont donc terminés là, fin décembre, et en 2 semaines, j'avais mes 2 locataires dans l'appartement, donc là aussi, très confortable. Pour travailler en finance et en banque, je sais que j'aurais pas pu avoir ce niveau de rentabilité, déjà par moi-même, sur l'investissement immobilier autre, mais surtout sur les investissements aujourd'hui qu'on a, l'investissement financier. Clairement aujourd'hui j'ai une rentabilité de 6,6% environ, ce qui est assez confortable, surtout en période de crise. Moi personnellement, j'avais envie d'investir dans la pierre, j'avais pas le temps, et aujourd'hui ça m'a permis de faire un projet immobilier sur un business model que je trouve génial, c'est-à-dire on prend un bien qui est entièrement à refaire, on le refait à neuf et on en tire une belle rentabilité parce qu'on a un bien immobilier qui est valorisé sur le marché du locatif. Moi, c'est l'idée que j'avais en tête à l'époque. Je me disais qu'un bien avec travaux, ce serait canon. Après, clairement, j'avais ni le temps, ni les connaissances techniques, ni l'expertise que j'ai retrouvée chez investissement-locatif.com. C'est pour ça que
que finalement j'ai pu faire ce que je voulais avec des gens qui connaissaient très bien le métier. Je l'ai déjà fait et je continuerai à le faire, effectivement, de recommander investissement-locatif.com. Et d'ailleurs, je me rends compte que quand j'en parle autour de moi, c'est clairement un modèle qui plaît. C'est très intéressant pour particulier des jeunes qui n'ont pas, énormément de moyens, mais qui veulent quand même investir dans la pierre. Moi, à terme, j'aimerais bien refaire des opérations dans le futur avec investissement-locatif. Quand on se rend compte que finalement les loyers couvrent les annuités d'emprunt, on se dit autant continuer à ce rythme-là dans les années futures, quoi.